Non. Ça va, mon pote? Dépêchez-vous. Non, mais tu vas te lancer. Oh, moi, je suis déchiré. Mais c'est pas vrai. Charmant. Je préfère encore les moutons à ce genre de troupeau. Je vais demander à mon agent de vérifier votre déposition une fois que vous ne serez plus sous les effets de l'alcool pour être sûr que tout est OK. D'accord ? D'accord. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous l'emprunte si vous voulez bien. Pas de problème. Bonjour, madame. On se serait bien passé de ça à dimanche. On a une identité ? Malheureusement, non. Elles doivent être gelées, les pauvres. Madame, on est avec la jeune fille qui l'a trouvée. Elle n'a pas les idées très claires, enterrement de vie de jeune fille. D'accord. Prends ses coordonnées et dis-leur à toutes de rentrer chez elles, qu'elles reprennent leurs esprits. Oui, madame. Mes gants et mes surchaussures ? Oui. Vous pouvez rentrer chez vous. On vous contactera plus tard. Elle doit se marier demain, en plus. Bonjour, lui. Prends bien tous les échantillons. Parfait. Voilà, et prends aussi ses joues. Super, merci. Oh, je suppose que tu es la nouvelle légiste. Bienvenue parmi nous. Et vous êtes ? Laissez-moi deviner. Vera Stanhope. Non, ma belle, je suis l'inspectrice chef Vera Stanhope. C'est moi qui vais diriger cette enquête. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Eh ben, t'as un avantage sur moi, mon chou, parce que je sais absolument rien sur toi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Il a été battu à mort ? Vous le saurez quand je le saurai. Tu peux me dire quelque chose, quand même ? L'une de ses dents a été fracturée, probablement pendant l'attaque. La pulpe dentaire est encore molle. J'ai trouvé aucun fragment, donc je suppose qu'ils sont dans son estomac. Je verrai ça plus tard. Il y a une odeur d'alcool très présente. On va faire les examens d'usage. C'était sûrement un sans-abri. Oui, c'est ce que je me suis dit. Il a un tatouage sur le cou, côté droit. 1er régiment du Northumberland. Un membre de l'armée ou un vétéran ? Ça va nous aider à l'identifier. Il y a celui-là aussi. Bailey. Ça pourrait être sa femme ? Ou bien sa fille. Tu as une idée de l'heure de sa mort ? Je dirais que c'est arrivé après 23h et pas plus tard que 3h du matin. J'en saurai plus dès qu'il sera sur ma table. Le meilleur moment. Oh. Bon, eh bien, préviens-moi si tu trouves quelque chose d'utile, mon chou. Bien sûr, c'est un peu le but de mon job.
On n'a retrouvé aucun effet personnel sur lui, mais si ça se trouve, il s'est fait dépouiller. Dans tous les cas, on a besoin de savoir qui c'est. Alors allez enquêter dans le coin, vérifiez auprès des foyers d'accueil et des organismes qui aident les SDF. Ils auront peut-être le nom de ce pauvre homme. Oui, madame. Et... Oh, Jack, la vidéosurveillance, hein, vois ce que tu peux trouver. Je m'en occupe. Et maintenant, on fait quoi? Pour l'instant, je sais ce que toi tu vas faire. Je meurs de soif. Tiens. Vous avez pris les dépositions des... Une seconde. Excusez-moi, mon chou. Monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi, vous savez quelque chose sur ce qui s'est passé? Non, il s'est passé quoi? Un homme a été retrouvé mort, il s'est fait agresser. Et on essaie de savoir comment il s'appelait. Vous savez rien du tout? Comment je le saurais? Je viens à peine d'arriver et je découvre tout ce bazar. Oh, il avait deux tatouages assez visibles sur le cou. Une tête de lion sur un canon et un prénom. Bailey. Je le connais pas. Mais je l'ai déjà vu au centre civil. C'est pour les sans-abri. Demandez au gars qui s'en occupe, Steve. Tenez. Madame? Trouve-moi l'adresse du centre civil. Madame, voici Finlay, le portier du club chez Lounge. Il sait peut-être qui c'est. Je crois qu'il s'appelait Con, un truc comme ça. Il vivait dans la rue. Hmm? Deux ou trois soirs par semaine, il était sur le pont à regarder le club. Il était pas gênant. Et est-ce que vous l'avez vu hier soir? Ben non, je crois pas, non. Est-ce que vous l'avez déjà vu avec quelqu'un d'autre? Non. Excusez-moi, on m'attend. Oui, d'accord, allez-y. Mais avant, laissez vos coordonnées à mon agent. Bon, alors, Con, c'est un début déjà. Maintenant, il faut qu'on trouve son nom de famille. T'as quelque chose? Oui, le centre est tout près d'ici. C'est un endroit qui propose un soutien pour les personnes sans domicile fixe. C'est nouveau, non? Il a été fondé il y a 18 mois par un ancien soldat, Steve Wilson. Bon, bah alors on y va. On va lui parler. C'est terrible, non? Servir ton pays et mourir comme ça? Oui, c'est vraiment pas juste. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous inquiétez pas, on vous passe pas devant. Ça met du temps ce matin. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? On doit vous parler. Ouais, fait quoi? Oh. Hier, il était pas en retard comme ça. Ah, bonjour, ma belle. On vient voir Steve Wilson. Écoutez, là, c'est l'heure de pointe. Steve prépare le petit-déj. Il faudrait repasser plus tard. Mm-hmm. Ben, je peux vous renseigner, peut-être. Je peux savoir qui vous êtes? Sa cousine, Mandy. Qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, il va falloir qu'on vous parle à vous et à votre cousin, s'il vous plaît. La police est là. Ils veulent te parler. Vous allez devoir attendre. Il y a plein de gens à nourrir. Je peux pas m'arrêter. Est-ce que vous avez un usager qui s'appelle Con, un ancien militaire? Con Burns? Ouais. Je suis navré de vous informer qu'il est décédé. Comment? On ne peut pas encore le dire, mon chou. Autre chose? Ou bien c'est tout? Vous pouvez nous dire s'il avait de la famille? Sa date de naissance? Je dois avoir ça. Venez avec moi. Ah! Fais chier, merde! Il faut pas en vouloir à Steve. On a fait notre soirée de levée de fonds hier et on est un peu fatigué. Vous avez vu Con dernièrement? Oui, hier, en fin d'après-midi. Est-ce que vous le connaissiez bien? Il venait presque tous les jours. Il venait aider Steve. Il faisait quoi? Tout ce que Steve lui demandait. Il voulait juste donner un coup de main. Il disait qu'on lui avait sauvé la vie, qu'il devait retrouver une stabilité. J'arrive pas à croire qu'il soit plus là. C'était vraiment un mec bien. Ah. Je suis désolée, ma belle. Vous pouvez entrer. Une seconde. Ah, merci, mon chou. Vérifie si on a quelque chose sur notre victime, Kenny. Tiens, voilà les infos. Oui, madame. Bon, alors... On a quoi pour l'instant? J'ai appelé tous les organismes qui s'occupent d'aider les sans domicile fixe. Mais il semblerait qu'il ait jamais fait appel à leur service. Et il correspond pas au profil de leurs habitués. Et il était connu d'aucun centre d'hébergement. Jack, la vidéosurveillance. C'est une zone non couverte. Y a pas une seule caméra dans le coin. Quoi? Oui, la plus proche se trouve à 100 mètres de là. Bon, essaie de voir s'il a été filmé ailleurs que dans cette zone. Et reconstitue la chronologie, tu veux bien? Madame, Connell Burns. Il a été admis à l'hôpital de Newcastle pour une pneumonie il y a 3 ans.
Et je vois que la personne à contacter en cas d'urgence s'appelle Teresa Burns. D'accord. Eden! Ça me rappelle des souvenirs que je préférerais oublier. Je devais aller au catéchisme quand j'étais petite, dans un couvent. C'était bien, ils nous donnaient des sucreries. Mais je me souviens que j'avais les jambes bleues, à force d'attendre dans le froid que mon père vienne enfin me chercher. Nous venons voir Teresa Burns, Sir Michael. On m'a dit que vous vouliez me voir. Je suis le sergent Illy et voici l'inspectrice chef Vera Stanhope, police du Northumberland. Nous sommes ici au sujet de votre frère Connell. Je suis au regret de vous informer qu'il a été retrouvé mort. Connell, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été victime d'une agression. Ça veut dire que quelqu'un a tué mon frère? Oui, c'est la théorie qu'on a pour l'instant. Mais quand? La nuit dernière, à Newcastle. Vous étiez toujours en contact? Il venait me voir au début de chaque mois. Je vais devoir vous poser quelques questions. Est-ce que le prénom Bailey, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est le prénom de sa fille. Vous avez prévenu Kate? Veuillez m'excuser. Sergent Illy, j'écoute. Qui est Kate? C'est sa femme. Oui. Enfin, la mère de Bailey. Vous voulez dire son ex-femme? Il vous avait désigné comme plus proche parent. On arrive. Non. Ils étaient toujours mariés. Madame? C'est Paula. Je vous demande pardon, nous allons devoir vous laisser. Vous pourriez nous donner l'adresse de Kate? Nous nous chargerons de la prévenir. Ah, ils ne l'ont pas épargné, le pauvre. C'est quoi, ça? On dirait une vieille blessure par balle. Tout à fait, elle date de quelque temps. Mais c'est pas cette blessure qui nous intéresse. J'aimerais attirer votre attention sur ces marques plus récentes. Il semblerait qu'il y ait eu au moins deux personnes impliquées dans l'agression. L'une d'elles lui a maintenu les bras derrière le dos, les doigts ont laissé des traces ici et ici, pendant que la deuxième le frappait. Excusez-moi. Il a des gros hématomes au niveau de l'aine. Oh. Et quelqu'un lui a disloqué le genou gauche en prime. Puis on lui a donné un coup de pied dans le dos tellement fort qu'on peut voir l'empreinte. C'était un ancien alcoolique. L'examen du foie a révélé une cirrhose avancée, mais même s'il sentait l'alcool, il y avait très peu de traces dans son organisme. Ce qu'il a bu lui a été donné de force. Ce qui expliquerait la dent cassée. Comme je le pensais, elle était bien dans son estomac. Ceux qui l'ont agressé la première fois l'ont laissé inconscient. Quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est fait agresser deux fois. Deux fois? Oui, regardez. Les hématomes avaient commencé à se développer, ce qui veut dire qu'il est resté en vie pendant environ 2 heures après avoir été frappé. La première agression a eu lieu à 5 mètres de là où il a été retrouvé. Donc il a été transporté là? Je pense plutôt qu'il s'est traîné jusque-là en essayant de fuir quelqu'un ou d'atteindre quelque chose. Puis on l'a agressé de nouveau. 2 heures après. Mais cette fois-ci, c'était différent. On lui a plaqué son écharpe fermement sur le visage. Il y avait des fibres dans son nez et dans sa bouche. Il a été étouffé. Il a tenté de résister? Je crois pas, non. Il était déjà considérablement affaibli. Alors ça voudrait dire que ceux qui ont fait ça sont revenus plus tard pour finir le travail? Ça, on le saura que quand j'aurai les résultats des tests ADN. Passe-moi les échantillons. Mais on sait déjà quand ça s'est passé. La première agression a eu lieu entre 21h et 22h, et la deuxième 2 heures plus tard, entre 23h et 1h du matin.
Donc on a deux affaires sur les bras, si je comprends bien. Il faut retrouver ceux qui l'ont passé à tabac, et aussi retrouver ceux qui l'ont étouffé. Nous n'avons pas une, mais deux enquêtes à mener. Deux agressions. La première est l'œuvre de deux personnes ou plus qui ont battu la victime. La seconde agression, quant à elle, a eu lieu approximativement 2 heures plus tard. Le plus probable, c'est que les mêmes personnes sont retournées sur les lieux pour finir le travail. Ou alors, ça peut être n'importe qui. À ce moment-là, il était tellement affaibli que même un enfant aurait pu le tuer. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'un meurtre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info sur Connell Burns ? Il avait 38 ans, né à Newcastle. Baladé de foyer en foyer depuis l'âge de 7 ans. J'ai contacté les services sociaux. Il s'est fait renvoyer d'un grand nombre de foyers d'accueil. Il a rejoint l'armée quand il a eu 17 ans et il a quitté le corps en 2016. C'était un fauteur de troubles ? Il a écopé d'un rappel à l'ordre en 2018, mais à part ça, rien du tout. Un rappel à l'ordre ? Pour quelle raison ? C'était pour l'empêcher d'approcher sa femme, Kate Burns. À part ça, il était blanc comme neige. Il a même jamais été arrêté pour vagabondage. Quand est-ce qu'ils se sont mariés ? Il y a 20 ans. Bailey, sa fille est née 4 ans plus tard. Elle a 15 ans. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient encore mariés ? Et plus précisément, pourquoi elle n'a pas divorcé ? J'ai du mal à croire qu'il a vécu ici. Quand est-ce qu'il est parti ? En 2018 ? C'est fou le nombre de choses qui peuvent se passer en 4 ans. Kate Burns ? Oui, Kate ? Est-ce qu'on pourrait entrer, ma belle ? Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Je suis vraiment navrée. Cela concerne votre époux, Connell. Il est mort, c'est ça ? Oui, malheureusement. Ça fait des années que je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte et qu'on me donne cette nouvelle. Vous voulez que j'aille l'identifier ? Si vous vous sentez capable de le faire. En tant que plus proche parent, c'est mon rôle. Mais il avait désigné sa sœur comme parent le plus proche. Teresa, elle en sera incapable. Non, bien sûr que je vais le faire. Comment il est mort ? Il a subi une agression qui lui a été fatale. Qu'est-ce qui arrive à papa ? Bailey. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh. Wow. Je suis désolée, ma chérie. J'ai été surprise d'apprendre que vous étiez encore mariée. Je n'avais pas vraiment d'adresse où envoyer les papiers du divorce. J'ai besoin de prendre l'air. Hé. Hey. Elle a besoin de toi. D'accord. Le pauvre. Vous le connaissiez ? Non. J'ai rencontré Kate l'année suivante son départ. Je l'ai ramassée à la petite cuillère. Oh, je vous en prie, mon chou, vous pouvez nous en dire un peu plus. D'accord. Vous saviez qu'il était dans l'armée. Quand il est revenu, il s'est trouvé un job et il s'est fait virer. Il ne l'a pas dit à Kate. Et il a accumulé un tas de dettes qu'il lui a cachées. Et puis, il s'est mis à faire des crises et taper dans les murs. Quoi, il était violent ? Un jour, il a pété les plombs. Il a tout cassé dans l'appart. Bailey a tout vu, elle était morte de peur. Alors, il est parti. Il l'a abandonnée. Aucune communication depuis ? Non. Je vais devoir monter les voir, pardon. Ah oui, bien sûr, mon chou. On sait où est la sortie. Vous pouvez dire à Kate qu'on la recontactera pour identifier le corps à la morgue ? Oui, bien sûr. Excusez-moi, mon grand. On voudrait voir Steve. Oui, il est... Il s'occupe des lumières dehors. D'accord. Vous êtes l'un des bénévoles du centre, c'est ça ? Ouais. Steve, il m'aide avec mes études. Je vais être chef. Vous vous appelez comment ? Tony. Tony comment ? Tony Castillo.
Vous êtes qui? Des évangélistes, un truc comme ça? Non. Voici l'inspectrice chef Vera Stanhope et je suis le sergent Ely, police du Northumberland. Est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle Connell Burns? Il a plusieurs tatouages au niveau du cou. Non. Désolé, je le connais pas. Ah. Eh, continuez comme ça. Prochaine étape, le Ritz. Merci, mon chou. Oh! Vous savez tout faire, on dirait. On n'a pas le choix quand on est tout seul. La moitié de nos habitués n'est pas venue hier. Hein? Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'ils ont su que la police était dans nos murs. Eh bien, je suis désolé, mon chou, mais il va falloir faire avec. Parce que, à présent, il s'agit d'une enquête pour meurtre. Pour meurtre? J'avais pas compris ça. Depuis combien de temps il venait ici? 6 mois. Pour manger au début, puis pour des cours, et après en tant que bénévole. Il était comment? C'était un bon gars, serviable. Fiable. Enfin, avant, en tout cas. C'était un alcoolique, mais il était sobre depuis des mois. Et il n'était plus fiable? Vous pouvez nous dire pourquoi? Et il nous a laissé tomber en début de semaine. Il devait parler pendant la levée de fonds de samedi, mais il est revenu sur sa promesse. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Non, il a rien dit. Il nous a mis dans la mouise. Il devait témoigner, raconter tout ce qu'on lui avait apporté. La star de la soirée. Ah, votre cousine nous a dit que vous n'aviez pas récolté autant que vous le souhaitiez. On a à peine de quoi couvrir toutes nos dépenses. Pourquoi il s'est rétracté, à votre avis? J'en sais rien. Il avait passé des mois à chercher un appart avec un autre sans-abri, mais lundi, il a fait marche arrière. D'accord, je vois. Et on peut avoir le nom de cette autre personne? Tony Castillo. Il s'est enfui. Vous pouvez me dire pourquoi il a fait une chose aussi stupide? Parce que vous êtes de la police. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec la mort de Connell? Non. C'était un héros pour Tony. Il le vénérait. Alors pourquoi Conn ne voulait plus vivre avec lui? Faudra demander ça à Tony. Où est votre cousine? Où est Tony? Tony, il est parti il y a 5 minutes. Oh. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas Connell. C'est n'importe quoi, ils devaient emménager ensemble. Oui, et d'ailleurs, pourquoi il est revenu là-dessus, vous le savez? Non, j'en sais rien. Mais Tony était dégoûté. C'était un 3 pièces et sans Conn, c'est tombé à l'eau. Et ça s'est passé quand, ça? Lundi dernier. La semaine avait déjà mal commencé. Comment ça? Quelqu'un a volé un tronc de collecte. Est-ce que ça arrive souvent, qu'on vous vole? Pas vraiment. Ils ont trop peur de Steve. De le décevoir, je veux dire. Vous pouvez me dire qui d'autre était ami avec Conn? Il s'entendait bien avec Benny. Il prenait soin de lui. Benny, vous avez une photo? Non, je pense pas. Mais j'en ai une de son petit compagnon. Quoi? C'est le type avec le chien. Je ne comprends pas pourquoi il nous a dit qu'il ne connaissait pas Conn. Il a dû avoir peur. Le plus souvent, quand ils ont affaire à la police, ils se font arrêter. Donc, ils ont tendance à se méfier. Oh, on peut voir la vidéo de la dernière fois que Conn est passé? Vous savez sur qui il crie? Aucune idée. J'étais à l'étage. Et il était où, Steve? À l'hôtel pour la soirée de levée de fonds. Est-ce qu'il est possible que ce soit Conn qui ait volé ce tronc de collecte? Il n'était pas là le week-end de la semaine dernière. Mais le tronc a pu être volé vendredi. C'est possible. Bon, alors. Il faut retrouver ce Tony Castillo tout de suite, c'est la priorité. Kenny, vérifie si on a quelque chose sur lui, tu veux bien? Et tant que tu y es, vérifie aussi les antécédents du gars qui tient le centre civil, Steve Wilson. Je veux savoir pourquoi Conn n'est pas allé à cette levée de fonds. Il avait dit à Mandy que cet endroit lui avait sauvé la vie, alors qu'est-ce qui a changé? Oh, et Marc, fais des recherches sur son épouse, Kate Burns. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Oui, tout de suite. Je comprends pas pourquoi elle a pas divorcé. Elle avait demandé une mesure d'éloignement. Exactement. Bon alors, tu as la chronologie pour moi, Jack? Il est resté au centre-ville jusque tard dans l'après-midi quand il a disparu pendant 3 heures. Il y a 2 ou 3 choses que je veux vous montrer. Ça, c'était hier à l'heure du déjeuner. Oh, ça alors, viens voir. Il est en train de poursuivre un voleur. C'était un bon gars. Et ça, c'était quelque temps plus tard. C'est quoi, une agence immobilière? Oui, au sort mes fils. Qu'il pouvait bien faire dans cette agence. Tu
Tu peux être sûr que c'est la dernière fois que je me retrouve dans cette situation. Ok, comme tu veux. Attends, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ray ! Ouh ! Eh ben, une cliente mécontente. Si on ne paye pas le loyer de son appart, on ne peut pas vivre dedans. En quoi puis-je vous aider ? Inspectrice chef Stanhope, sergent Hilly. Donc vous n'êtes pas là pour le trois pièces avec vue sur le fleuve ? Non, nous voudrions savoir si vous connaissiez cet homme, mon chou. Nous savons qu'il s'est présenté à votre agence vers 17h avant-hier. Oui, il voulait que je le paye pour qu'il s'en aille de devant ma vitrine. De l'extorsion, pourquoi ? Parce qu'il a été victime d'un meurtre. On l'a retrouvé hier matin. Je voudrais savoir si vous l'avez revu après sa visite. Non, c'est la seule fois que je l'ai vu. Quoi, la seule fois ? Oui. À part celle où il était assis devant chez vous, je veux dire. Eh bien... Désolée, oui, j'ai pas entendu votre nom. Bon, Alexander Hawthorn, c'est l'agence de mon père. Oui, bien sûr. Bien, si quelque chose vous revient... Entendu. Je ne crois pas un seul mot de ce qu'il a dit. Je dois retrouver Kate Burns pour identifier le corps de son mari. Alors, je vais être brève. Je veux que vous me trouviez tout ce que vous pouvez sur ce gars, Alexander Hawthorn. S'il se mouche, je veux voir le mouchoir et je ne plaisante pas. Épluchez la vidéosurveillance et retrouvez-moi tous ses déplacements. Je veux voir s'il a croisé la route de Connell Burns. Où est-ce qu'on en est avec le gars du centre civil, Steve Wilson ? Il a quitté l'armée en 2012, décoré à de nombreuses reprises. Il s'est retrouvé SDF en 2013. Mais d'après cet article, il a su rebondir et a ouvert le centre civil. Et tout a été fait comme il faut ? Tout est légal ? Apparemment. Où est-ce qu'il a obtenu l'argent ? Il a monté le projet quand il a hérité de sa grand-mère. Il a eu son agrément l'année dernière. Et au niveau de sa réputation, qu'est-ce qu'on a ? Les collectivités locales sont impressionnées. Il fait pratiquement tout tout seul. J'ai l'impression que la seule aide qu'il reçoit, c'est celle de sa cousine. J'ai enquêté sur ce que vous a dit la compagne de la femme de Conn. Il travaillait dans un centre de distribution, mais il s'est fait licencier. Pourquoi ? Il avait causé des problèmes ? Le manager m'a dit l'avoir renvoyé car il venait ivre au travail. Ouf, ça arrive au meilleur, ça. Pas vrai, Kenny ? Je me suis aussi penchée sur ses finances. Il avait accumulé 18 000 livres de dettes, plus les intérêts. Donc ça ? Oui, Kate a tout soldé. Pourquoi faire ça et juste après demander une mesure d'éloignement ? En tout cas, ce que nous a dit sa compagne était vrai. Et est-ce qu'on a des nouvelles de nos deux fuyards, Tony et Benny ? On sait où ils sont ? Ils font profil bas, tous les deux. D'accord. Continuez vos recherches. Impressionnez-moi. Allez. Vous êtes prête ? C'est bien Connell Burns. Non, une seconde, s'il vous plaît. Tout va bien, ma belle. Je pensais pas le reconnaître, mais finalement... Il est resté le même. Je t'ai tellement aimée. Conn était dans l'armée depuis 2 ans quand on s'est rencontrés. C'était un bel homme, séduisant, et toujours très attentionné. Et il était dans quel état d'esprit quand il a quitté l'armée ? C'était très compliqué. Mais il refusait d'en parler. Il ne faisait que boire. C'est ce qu'on lui avait donné comme solution quand tout devenait trop dur, de boire. Et il avait pas mal de dettes aussi, n'est-ce pas ? C'est à cause de ça qu'on s'était disputé la nuit où il est parti. Il voulait pas que je sache qu'il avait perdu son travail. Il avait honte de me l'avouer. Quand il s'est rendu compte à quel point il nous faisait peur, il est parti. Ça a pas dû être facile. Je crois que j'aurais sombré sans Liv. Elle et Bailey ont l'air très proches. Ouais. Je crois que Bailey l'aime même plus qu'elle ne m'aime. Oh non, ça je peux pas le croire. Je devrais me montrer reconnaissante. Liv a bien voulu me prendre avec tous mes bagages. Où est-ce que vous étiez samedi soir ? Chez moi. J'attendais pour aller chercher Bailey. Elle m'a téléphoné vers minuit. Très bien. Et votre compagne ? On doit vérifier pour tout le monde. Elle était au boulot à Sunderland. Elle travaille où ? Elle est chef de la sécurité pour une boîte locale. Elle bosse la nuit. Et vous, où est-ce que vous travaillez ? La maison de repos Dayton.
Je suis auxiliaire de vie. Eh bien, ça doit être un travail très enrichissant. Une seconde, mon chou. Ouais. Et où est-ce qu'il est? C'est un joli tour de passe-passe que vous nous avez joué tout à l'heure. Vous avez dit ne pas connaître Con. J'ai dit que c'était pas mon pote. Ah oui? Parce que Steve Wilson nous a dit que vous deviez prendre un appart ensemble. Donc vous avez dû être proche à un moment, non? C'est ce que je croyais. Et pourquoi il voulait plus alors? J'en sais rien. Il a pété un plomb. Il est parti pour le week-end et quand il est revenu, il était différent. Comment ça, différent? Bah, d'habitude, il était super bien avec Steve, mais là, il avait la haine. Il a dit qu'on pouvait faire confiance à personne dans l'armée. Ils ont même failli se battre. C'était quand, ça? Lundi dernier. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Steve? J'éviterai de m'embrouiller avec lui. Faut des couilles pour faire ce que Con a fait. Franchement, il n'avait pas peur. Tout va bien? Désolé, faut que j'aille au chien. Oui, bien sûr, allez-y, on vous attend. Non, va avec lui, allez. Il va me vomir dessus. J'ai peur qu'il nous fausse compagnie. Il a laissé toutes ses affaires. Excusez-moi, c'est à quelqu'un tout ça. Non, ce sont des dons. Ah, où sont les toilettes? À l'étage. Merveilleux. Tony! Est-ce qu'on convoque Steve Wilson? Ah, je sais pas, d'après toi. Oui, madame. Je me suis penchée sur les finances du centre. Ils ont des problèmes de trésorerie. Ils ont de quoi tenir 2 mois maximum. Quoi? Tu crois qu'ils pourraient fermer? Je suis même surprise qu'ils soient encore ouverts. Ah. Merci, Jack. Est-ce qu'il faut que j'appelle un avocat? Vous n'êtes pas inculpé. Est-ce qu'on devrait le faire? Oh, on a retrouvé Tony. Il nous a raconté que vous avez failli vous battre avec Con la semaine dernière. C'était Con qui cherchait la bagarre, pas moi. Moi, je voulais seulement qu'il se calme. Pourquoi? Oh, allez, quoi, Steve? Aidez-nous un peu. J'en sais rien. Il était parano. Il m'a dit qu'il faisait confiance à personne dans l'armée. Il a fait marche arrière pour l'appart et pour la levée de fonds. Il avait un comportement autodestructeur. Je crois que ça lui faisait peur, le retour à la vie normale. Mais c'était pas ce qu'il voulait? Je reconnais que c'est pas logique comme réaction. Mais j'ai vu ça plusieurs fois déjà. Ça m'est arrivé. Mais je pensais que pour Con, ce serait différent. Nous savons que vos finances ne vous permettent pas de tenir plus de 2 mois. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? J'ai trouvé des entrepreneurs qui sont prêts à investir. Et pour les impôts, ça va le faire. Pourquoi vous faites tout ça, Steve? Vous occupez de ce centre? C'est épuisant. Ça vous prend tout votre temps. Et vous devez souvent gérer les esprits qui s'échauffent. Parce que je sais ce que c'est. Quand j'ai quitté l'armée, je me suis mis à boire. Personne m'a aidé à devenir sobre. Si ma grand-mère m'avait pas sorti de la rue, je serais mort. J'avais envie d'être cette personne pour les autres. Je pensais que lui aussi, il en avait envie. Il m'avait dit qu'il voulait m'aider au centre. Partager le fardeau. Vous croyez qu'il aurait pu extorquer de l'argent à des personnes? Non, impossible. Non, qui vous a dit ça? Ah, il aurait exigé d'un homme qu'il le paie pour ne pas dormir devant chez lui. Con n'aurait jamais fait ça. Vous savez, il dormait même pas en ville. Ah bon? Et où est-ce qu'il dormait? J'en sais rien, mais il dormait pas dans les foyers. Il trouvait que l'ambiance était trop agressive. Bon, vous pouvez y aller, mon chou. Interrogatoire terminé à 17h02. Marc, tu peux vérifier l'alibi de Steve Wilson samedi soir, cette levée de fonds qu'il avait organisée? Oui, madame. C'est bien lui. Eden, dis-moi, tous les deux, Steve et Tony, ils nous ont dit que Con en avait après. D'accord, l'armée. T'avais pas un contact à l'armée? Si, merci. J'en ai un. Au revoir. Je vais l'appeler. Madame, on a retrouvé Benny. Où ça?
Benny? On veut juste vous parler, mon chou. Benny! Benny! Ah! Bonjour, mon grand. On s'est dit que vous deviez avoir faim. On vous a apporté quelque chose. Vous voulez un thé? Comment s'appelle votre chien? Gary. Est-ce que Gary veut une petite friandise? Il a un petit peu faim, ouais. Oh, c'est un bon chien, ça. Non, non, viens là, voilà. Tiens, mon garçon. On est ici au sujet de Connell Burns, mais ça, je crois que vous le savez déjà. Dites-moi, pourquoi nous avoir caché que vous le connaissiez bien? Ça nous aurait fait gagner pas mal de temps. Ça fait longtemps que vous êtes dans la rue? Ça fait 16 ans. Est-ce que vous savez comment Con est mort? Ouais. Il y a deux types qui l'ont frappé. Comment vous le savez? L'endroit où il s'est fait agresser, est-ce que c'est un endroit où il allait souvent? Moi et Con, on allait là quand on avait envie de se faire une petite sieste. Donc c'est ça que vous étiez en train de faire? Vous vouliez faire une petite sieste et vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous vous cachez ici. On peut vous protéger, Benny, et les empêcher de faire à quelqu'un d'autre ce qu'ils ont fait à Con. J'ai rien vu du tout. Si jamais vous changez d'avis, d'accord. Oh, juste une dernière petite question, et après ça, on vous fiche la paix. Con est parti quelque part pendant le week-end de la semaine dernière. Vous savez où il est allé? Demandez à Ray, doit savoir. Ray? Une petite jeunette. Un peu sauvage sur les bords, mais gentille dans le fond. Con veillait sur elle. Et vous savez où on peut la trouver? Si je vous donne son adresse, vous avez pas intérêt à lui dire que c'était moi. Mon contact m'a dit que l'ancien sergent-chef de Con recrutait à l'université. Parfait, on va aller lui rendre une petite visite. Tenez, madame. Bonjour, nous venons voir l'adjudant Sharp. En quoi puis-je vous aider? Il vivait dans la rue? Con était l'un des meilleurs soldats avec qui j'ai pu servir. J'arrive pas à le croire. Vous avez servi ensemble quand? Ces deux premières missions en Afghanistan, de 2003 à 2010. J'étais sergent-chef et lui caporal suppléant. Donc vous le connaissiez bien? C'était un gars en or, fiable, totalement digne de confiance, sur qui on pouvait toujours compter. Et il adorait ça. Il adorait la vie de soldat. Alors c'était très important pour lui. J'ai toujours pensé qu'il deviendrait sergent. Il en avait le potentiel. Et qu'est-ce qui a changé? Quand je suis parti, on s'est perdu de vue. Mais on a vécu des choses horribles là-bas. Juste avant que je parte, il y a eu un incident. Comment ça? Un bus plein d'Afghans, des employés civils et leurs enfants. Ils allaient à la base, sans savoir qu'il y avait un kamikaze à bord du bus. Il s'est fait exploser un peu avant qu'il ne rentre dans l'enceinte. J'étais avec la section de Con, on a évacué tout le monde. Et après, on a dû rester pour gérer ce qui restait. De loin, le pire jour de toute ma vie. On a tous été secoués, Con tout particulièrement. Il a dû ramasser les morceaux d'une gamine du même âge que sa fille. Dites-moi un peu plus sur cette section. On s'appelait les 10. On était très soudés, un peu comme des frères. Vous leur avez parlé? Non, nous n'avons pas leurs coordonnées. On n'a aucune info de la part du régiment. Ils ne sont pas coopératifs. Allez-y en personne. Ils ne pourront pas vous ignorer. Oui. Con était très proche de Sam Gastrol. Ils avaient un peu le même parcours. Je suis désolé, c'est l'heure de mon intervention. Oh, bien sûr. Merci. Merci pour votre aide. Madame, la vidéosurveillance montre que quelqu'un a suivi Con le soir où il est mort. C'est Alexander Osorn, l'agent immobilier. Et quoi d'autre? Il a été rejoint par un autre gars et tous les deux ont suivi Con jusqu'au centre-ville. Je vois.
On se concentre. Alexander Osorn, on sait quoi sur lui? Il a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement il y a 2 mois, madame. Mais la victime a retiré ses accusations. Donc ça veut dire qu'on n'a ni empreinte ni ADN? C'est ça, madame. Génial. J'ai consulté son profil sur les réseaux sociaux, madame. Il est sorti samedi soir avec un ami. Et il a posté ses photos vers 19h30, puis celle-ci plus tard dans la soirée, vers 2h du matin. C'est qui le gars avec lui? Sean Kearney. Il travaille avec lui à l'agence. Il semblerait que ce soit une sorte de dur à cuire, mais on n'a rien sur lui. D'après toi, pourquoi ils ont tous les deux changé de chemise entre le début et la fin de la soirée? C'est un bien très convoité. Alexander Osorn, je vous arrête pour suspicion de meurtre sur la personne de Connell Burns. Je vous arrête pour suspicion de meurtre sur la personne de Connell Burns. Je vous l'ai dit, il voulait de l'argent. Et moi, je ne vous crois pas, mon chou. Essayez autre chose. D'où connaissiez-vous Connell Burns? Je ne sais pas qui vous pensez que je fréquente d'habitude, mais ce ne sont pas les SDF. Alors, pourquoi étiez-vous en train de le suivre? C'est simplement une coïncidence. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une coïncidence, mon chou. Parce que vous et votre pote l'avez suivi à nouveau 30 minutes plus tard. Où étiez-vous samedi dernier entre 23h et 1h du matin? Je suis repassé chez moi, changé de vêtements. Et pourquoi ça? Quelqu'un avait renversé de la bière sur ma chemise. Et il en a renversé sur la chemise de votre pote Sean aussi. Est-ce que quelqu'un peut nous confirmer que vous êtes bien repassé chez vous, à part le copain que nous avons aussi arrêté? Il y a un concierge dans le hall de mon immeuble. À quoi vous pensez? Quel est donc le lien qu'il peut y avoir entre ce prétentieux agent immobilier et Connell Burns? Ils viennent tous deux d'univers totalement différents. Mais en tout cas, je suis prête à parier que c'est bien lui et Sean qui l'ont tabassé l'autre soir. Et qui sont revenus plus tard pour finir le travail. Mais pourquoi? Mark est en train de vérifier son alibi. Kenny a dit qu'une plainte avait été déposée contre lui puis retirée peu après. C'était quand ça? Ah, ça par exemple. Regarde un peu qui est la personne qu'il avait accusée de harcèlement. Ray Jensen. Il pourrait s'agir de la jeune femme dont Benny nous a parlé. Ah, j'en sais rien du tout, mais la personne qui a témoigné pour Ray était Connell Burns. Son nom est mal orthographié. Oui, mais on s'en fiche. Le voilà notre lien avec Osorn. Allez, viens. Très bon boulot, Kenny. À ton avis, ça coûte combien par mois un appart ici? Je dirais au moins 2000 livres. Comment une jeune fille peut-elle payer ce loyer? Merci de nous ouvrir. Nous voudrions vous parler d'un de vos amis, Connell Burns. Je sais pas où il est, désolé. C'est à quel sujet? C'est pas le genre de conversation qu'on peut avoir ici, mon chou. Est-ce qu'on peut rentrer? Bon, écoutez, je suis désolée, mais nous n'avons pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Quoi, il est arrivé quelque chose à Con? Malheureusement, il a été retrouvé mort. Il a été victime d'une agression qui lui a été fatale et nous essayons de découvrir qui sont les responsables. Je suis vraiment navrée. Vous avez une idée de qui aurait pu lui vouloir du mal? Non. Vous l'avez vu quand, pour la dernière fois? Samedi dernier, vers 16h. Je l'ai pas laissé entrer. C'est lui qui vous a fait cet œil au beurre noir? Qui ça, Con? Non. Non, mais il l'a remarqué. Il vous avait demandé qui vous l'avait fait. Je me suis pris une porte. C'est pas plutôt le gars contre qui vous avez déjà porté plainte qui vous a fait ça? On vous a vu avec lui hier, dans son agence. On peut savoir pourquoi? C'est mon proprio. Il m'a dit que mon bail avait expiré. Oh. D'accord. Et quelle est la nature exacte de votre relation avec lui? C'est mon proprio. Est-ce qu'il connaissait Con? Non, bien sûr que non. Non. Mark, je veux que tu persuades Benny de venir ici afin d'identifier Osorn et son compère. Emmène Kenny avec toi. Mais dis-lui d'être gentil. Oui, madame. Oh,
Ça alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Vous ne vouliez pas les résultats du test ADN? J'ai préféré vous les apporter moi-même. Hein, et alors? On a relevé deux profils ADN à l'endroit précis où il a été attaqué qui correspondent à vos suspects. Super! Mais, et c'est pour ça que je suis là, il y a un troisième profil ADN qu'on n'a pas pu identifier. Et c'est le seul ADN mis à part celui de la victime sur l'arme du crime. Son écharpe? Cette troisième personne n'est pas dans nos fichiers. Je vais être très claire. Si jamais vous essayez de faire condamner pour meurtre les deux hommes que vous avez arrêtés, je ne vous suivrai pas devant la cour. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'affaire n'est pas réglée. Non, bien sûr que non, puisque tu nous as dit qu'il y avait une troisième personne. Je cède jamais à la facilité. Tant mieux, parce que moi non plus. Super. Génial. Il s'agit d'une agression très violente. Et votre ADN, ainsi que celui de votre copain, a été retrouvé partout sur la victime. Vous avez quelque chose à dire? Alors je vais vous poser la question. Avez-vous introduit une bouteille dans sa bouche tellement fort que vous lui avez cassé une dent? Pas de commentaire. Pourquoi vous l'avez suivi? Pas de commentaire. Oh, je vous en prie, mon chou. On sait que vous l'avez passé à tabac. Je veux juste savoir pourquoi. Ok, laissez-moi vous dire ce que je pense. Je pense que Conn avait découvert que vous aviez frappé votre petite amie et qu'il est venu vous demander de garder vos distances. Sauf que c'est pas ma petite amie, ça. Ex-petite amie, alors? Vous l'avez installée dans l'un de vos apparts? Ren vous a pas dit ça. Donc Conn vient vous voir pour vous demander de lui ficher la paix et vous, vous faites venir des renforts. Écoutez, mon grand, il s'agit d'un meurtre et nous avons retrouvé votre ADN partout sur le corps de la victime. Non, oh, ils vont adorer au tribunal. Quoi, une affaire de meurtre avec toutes ces preuves? Vous êtes plié en moins d'une heure. J'ai pas tué ce type. Quand on l'a laissé, il était vivant. Oh, donc vous l'avez juste tabassé au point de le laisser inconscient. Je veux vous l'entendre dire. Oui. T'es un bon chien, toi. Osorn a avoué être l'auteur de l'agression. Son complice a avoué aussi. Oh, salut Gary, ça va mon chien? Madame, Benny les a bien identifiés. Il a dit qu'ils avaient quitté les lieux à 22h30. Ils ont un alibi? Ils sont rentrés chez Osorn à 22h45 et sont repartis en boîte à 1h10. Ils ont quand même pu le faire. Le timing est serré, mais ça reste plausible. Tu sais, ça me désole de dire ça, mais je ne crois pas que ce soit ces deux-là qui ont étouffé Conn. T'as entendu ce que Paula a dit? Leur ADN est partout sur le corps de la victime, mais il n'est pas sur cette écharpe. Donc nous avons trouvé qui a tabassé ce pauvre homme, mais on n'a toujours aucune idée de qui a bien pu l'étouffer. Si je me souviens bien, on a déjà deux personnes qui nous ont dit qu'il avait du ressentiment envers l'armée, pas vrai? On en est où pour les adresses des membres de sa section? Autant essayer de faire parler un muet. Il se retranche derrière le secret défense. Bon, eh bien, on va faire ce que nous a conseillé l'adjudant Sharp. Tu vas te présenter là-bas en personne. Et n'hésite pas à faire du bruit. Emmène Kenny avec toi. Et ne reviens pas sans avoir eu ses adresses. Pourquoi vous venez pas avec moi? Parce que je vais découvrir où est allé Conn le week-end dernier. Ça te va comme réponse? Oui. Écoutez, je sais que vous et Conn étiez proches. Vous l'avez connu comment? Je suis allé dans un foyer de jeunes femmes quand je suis arrivé ici. Jusqu'au jour où l'une des filles a dit que j'étais une menace pour les autres. Que j'étais pas une vraie femme. J'ai dû aller dans un foyer pour hommes, et là, quelqu'un s'en est pris à moi. Conn s'est interposé. Vous n'aviez rien à faire là, mon chou. C'est pas un endroit pour une jeune fille. Conn était comme un père pour moi. Vous avez à peu près le même âge que sa fille. Ça lui brisait le cœur de ne plus la voir. Il la retrouva en moi. C'était vraiment un mec bien. Bon, maintenant, écoutez-moi. Vous pensez être amoureuse de ce gars-là, Alexander? Oui, je l'aime. Et lui aussi, à sa façon, il m'aime. Oh non, pas du tout, mon chou. Je l'ai entendu parler de vous. Oui, mais c'est parce qu'il a peur de ce que ses potes pourraient dire, je comprends. Il a tout avoué. C'est lui qui a frappé Conn. Il lui a fracassé les dents, il lui a cassé le genou et l'a roué de coups au point de le laisser couvert d'hématomes. Vous savez, Benny, le gars avec le chien, il m'a dit que vous pourriez peut-être me dire où était Conn le week-end de la semaine dernière. Il devait aller quelque part et il est passé ici pour se doucher, se changer. Il avait un costume qu'il avait trouvé dans un magasin de fripes. Et alors, il devait aller où? À l'enterrement d'un pote de l'armée.
Il n'en reste plus que 7, il disait qu'ils étaient comme sa famille. Je crois que le gars qui est mort s'appelait Jack. Bonjour, ça va? Merci de me recevoir comme ça au dernier moment. Y a pas de quoi. Après vous. C'est bon, t'es là-bas? Oui, c'est bon. Nous attendons le lieutenant-colonel Hillier. Il est allé à l'enterrement d'un des membres de sa section le week-end juste avant sa mort. Essaie de savoir de qui il s'agit. Son prénom, c'était Jack. Je m'en occupe. Vous vous rendez compte que nous sommes sur le point de partir en manœuvre? Et vous, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une enquête pour meurtre? Messieurs, ne perdons pas plus de temps. Alors, caporal suppléant Conneil Burns. Voyons voir, il a quitté le corps en 2016 après un accident avec son arme à feu. Ça correspond à la blessure sur l'épaule gauche. Exact. Est-ce que vous avez les coordonnées du soldat Sam Gastrol, madame? Ils étaient proches. Le soldat Gastrol s'est suicidé peu de temps après le retour de son unité au pays. Il s'est suicidé? Pourquoi? Il avait volé une paire de lunettes de soleil sur un soldat tombé au combat. Il encourait une procédure disciplinaire et une possible condamnation. Il s'est suicidé pour des lunettes de soleil? Si on ne peut pas faire confiance à un camarade avec ses affaires, comment est-ce qu'on peut lui confier sa vie? Sous votre respect, madame, il m'est très difficile de croire que Sam ait pu faire une telle chose. Il y a eu des témoins. Le caporal Dominic Charlton, le soldat Jack Swanson et le caporal suppléant Conneil Burns. Bien que le soldat Gastrel ait clamé son innocence, il a été mis aux arrêts pendant que son unité était en patrouille. Il s'est suicidé peu après. C'est vraiment affreux. Cela peut vous sembler disproportionné, mais la loyauté est quelque chose d'essentiel pour nous. J'ai cru comprendre que le caporal suppléant Burns n'a pas eu d'entretien avant son départ et n'a pas eu de suivi de stress post-traumatique. Après tout ce qu'il avait vécu. Il ne l'avait pas demandé. Ça n'affecte pas tout le monde. Si, ça affecte tout le monde et ça impacte aussi l'entourage. C'est pour ça qu'il vivait dans la rue après avoir servi 3 fois en Afghanistan. C'est pour ça qu'il a quitté sa famille. Nous savons que c'est un problème, mais on ne peut obliger personne à suivre une thérapie. Pour ça, il aurait peut-être fallu qu'on la lui propose. Je vais prendre les coordonnées de sa section. Nous avons terminé. Adjudant Sharp, 1 minute, s'il vous plaît. Hey, Dom, la petite jeune fille m'a dit où habitait Con. Et moi, je sais qui est le Jack dont il est allé à l'enterrement. Super. Retrouve-moi sur la rive sud du pont Lasky. Entendu, madame. Je vais au plus vite. Elle vous a passé un savon? Je suis son subordonné, tout comme vous. Oui, mais je suis pas dans l'armée et il fallait qu'elle l'entende. Elle l'a entendu. En revanche, les adresses qu'elle m'a données datent de plus de 5 ans. Laissez-moi me renseigner sur Dom Charlton et Jack Swanson. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ce qu'il cherchait. Oh, regarde. Tout ce qu'il voulait, c'était retrouver sa famille. Il y a quoi dans ce sac? C'est quoi ce bruit? Alors, c'est ça que Tony cherchait. À moins qu'il l'ait mis là lui-même. Ça, c'est le tronc qui a été volé au centre civil. On l'a retrouvé dans les affaires de Conne.
C'est lui qui avait dû le voler, alors. Ça va, on n'est pas idiots, mon grand. Vos empreintes sont partout dessus. On sait que c'est vous qui l'avez volé. J'ai pas réussi à l'ouvrir. Je lui ai demandé de m'aider, mais ça s'est retourné contre moi. Et c'est à cause de ça qu'il a changé d'avis et qu'il ne voulait plus vivre avec vous, n'est-ce pas? Ça a dû vous énerver, quand il vous l'a dit? Il savait que j'en avais besoin. Il savait que si jamais j'obtenais cet appart, je pourrais aller à l'école de cuisine, devenir chef et revoir mon fils. C'est la seule chose que je voulais. Mais il a tout gâché à cause de ça. Et comme, qu'est-ce qu'il voulait? Comme moi, revoir son enfant. Il n'était plus en contact? Non, mais en fait, il avait écrit à la mère de Bailey. Sa sœur avait envoyé la lettre de sa part. Vous êtes sûr? Écoutez, j'ai rien à voir avec la mort de Con. C'était un mec bien. C'était mon pote. J'ai envie que vous arrêtiez celui qui a fait ça autant que vous. Et d'après vous, qui ça peut être? Il avait eu une embrouille avec Steve du centre avant moi. Marc! Tony Castillo, je veux que tu vérifies son alibi. Il dit qu'il était au foyer sur Barner Avenue samedi soir. Très bien. Et revérifie celui de Steve Wilson, tu veux bien? Parce que d'après Tony, Con a voulu frapper Steve la semaine dernière, chose qu'il s'est bien gardé de nous dire. À part ça, on a des nouvelles de Dominic Charlton et de la veuve de Jack Swanson? Non, rien. J'ai laissé des messages à tous les numéros qu'ils nous ont donnés. Ça a vraiment perturbé Dylan, le fait que Sam vole ses lunettes. Je pensais te demander de me faire un point, mais il est un peu... Pardon, tu veux quelque chose, mon chou? Madame, ce jeune homme a des informations pour vous. C'est l'agent Billington de l'accueil. Debout, on se lève en présence d'un supérieur. Dites à l'inspectrice chef ce que vous m'avez dit tout à l'heure. J'ai vu l'affiche avec l'homme qui est mort, le sans-abri. Oui, et alors? Voilà, il s'est présenté à l'accueil samedi soir. Il voulait faire une déposition. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quelqu'un avait commis un vol. Un vol? Mais quoi? J'en sais rien. Il a mentionné quelqu'un en particulier? Un Tony? C'était pas très clair, il a dit que c'était il y a longtemps. Il était très agité et il avait la queue, alors... Alors qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit qu'il me faisait perdre mon temps et il est parti. Attends, tu lui as dit quoi? Tu veux que je te raconte ce qui s'est passé? Cet homme est mort, assassiné, quelques heures après être venu ici, mon chou. Et on n'a aucun moyen de savoir si sa mort est en rapport avec sa visite ou non. Je suis vraiment désolé. Tu peux retourner à l'accueil. Oui, madame. C'est bon, vous pouvez tous rentrer chez vous. On y verra plus clair demain. J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous avez bien envoyé une lettre à Kate de la part de Con? Il pensait qu'il n'avait pas le droit de lui écrire. Je l'ai envoyée juste avant Noël, mais elle n'a jamais répondu. Eh bien, on ne peut pas trop lui en vouloir, mon chou. Il est parti en lui laissant un tas de dettes. Et il voulait arranger ça. Il lui expliquait tout dans sa lettre. Il lui donnait toute son indemnisation. Quelle indemnisation? Celle qu'il avait touchée pour son accident à l'armée. Son arme s'est déclenchée toute seule et il a été blessé. Il a fait envoyer tout l'argent à Kate. C'est pour ça qu'il lui avait écrit. Il espérait qu'entre ça et le fait d'avoir un appartement, elle accepterait de le laisser revoir sa fille. Vous êtes sûre de ce que vous me dites? Plus que sûre. Il m'a dit qu'il avait reçu la somme de 25 000 livres de la part de l'armée. Et vous dites qu'elle n'a pas répondu à sa lettre? Ah, bonjour Evan. Désolée si je te réveille. Bonjour, madame. Écoute, je suis sur le point de partir. J'aurais besoin que tu contactes cet adjudant, Dylan, c'est bien ça? Ouais. Apparemment, Connell Burns avait touché une indemnisation de l'armée pour cette histoire d'accident. Je veux que tu lui demandes de se renseigner et de te dire ce qu'il en est. Le lieutenant-colonel Hillier n'en a pas parlé quand je suis allé la voir. Elle était peut-être pas au courant. Ou peut-être que c'est pour ça qu'elle était pas très coopérative. En tout cas, je veux que tu tires ça au clair. Avant que vous me le demandiez, je suis toujours dessus. Ah. Oh, Kenny, c'est quoi ça? C'est des petits roulés au bacon, madame. C'est surtout la réponse à toutes mes prières. Oh, merci, mon chou.
Marc, tu as pu vérifier l'alibi de Tony Castillo comme je te l'ai demandé ? Oui, il est arrivé au foyer à 22h15 et il en est reparti qu'à 8h du matin. Et en ce qui concerne Steve Wilson ? Il était à sa levée de fond toute la soirée et il n'a quitté l'hôtel qu'à la fin vers 1h du matin. Madame, j'ai vérifié les comptes de Kate Burns. Elle s'est fait licencier il y a 2 mois. Ah oui ? C'est pas ce qu'elle nous a dit, pourtant. Vu l'ampleur de ses dettes, elle risque d'avoir des problèmes si elle retrouve pas vite du travail. En tant qu'ex-femme de militaire, elle a droit à quelque chose s'il venait à mourir, non ? Oui, en théorie, elle a le droit à la moitié de sa pension. Sauf si elle se remarie. Je vois. Aiden, prends ton blouson. Oh, merci, mon chou. J'ai parlé à Teresa hier soir, la sœur de Con, et elle m'a dit que son frère avait touché une indemnisation pour son accident, la blessure par balle, et que c'est vous qui aviez reçu l'argent. Quoi ? Je n'ai pas reçu un seul centime depuis qu'il est parti. Vérifiez mon compte en banque. Elle nous a aussi dit qu'elle vous avait envoyé une lettre de la part de Con. Quand ça ? Je n'ai reçu aucune lettre, je vous le jure sur la vie de ma fille. Vous nous avez déjà menti une fois. Quoi ? Vous nous avez dit travailler dans une maison de repos. Mais c'est pas vrai. Vous avez été licencié. Oui, je l'ai pas encore dit à Liv, j'espérais vite retrouver un autre job. Pourquoi vous n'avez pas demandé le divorce ? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça ? Pour sa pension. Il voulait qu'on reste mariés pour que je puisse la toucher. Il avait fait son testament avant de partir en Afghanistan. Ah, donc grâce à ça, vous allez toucher quelque chose, en plus de l'argent de son accident. Je n'ai rien touché du tout, je viens juste de vous le dire. Con m'a brisé le cœur et vous, vous êtes là à me parler de fric. Vous croyez que je l'aurais tué pour de l'argent ? Je veux que tu fasses des recherches sur la femme de Connell Burns, son journal d'appel, ses déplacements en voiture. Et fais pareil pour sa compagne, d'accord ? Oui. Bon, où est-ce qu'on en est avec cette histoire d'indemnisation ? Je m'en suis occupée, madame. Con avait pris un avocat pratiquant le pacte sur honoraires. J'ai contacté son cabinet et ils m'ont confirmé tout ça. L'armée lui a bien versé 25 000 livres le mois dernier. Demande-leur de te transmettre le dossier en urgence. Tout de suite. Il faut qu'on retrouve cet argent. Madame, j'ai obtenu l'adresse de la veuve de Jack Swanson, Lindsay Swanson. On dirait qu'ils étaient tous très soudés dans cette unité. Et le fait que Jack Swanson succombe à un cancer a dû bouleverser Con. Quant à ce qui s'est passé en Afghanistan, le suicide de Sam Gastrol, ça a dû être un choc énorme pour tous. Est-ce que vous avez parlé à Con pendant l'enterrement ? Non, j'étais sous le choc. Je le suis encore. Il a passé tout son temps avec Dom. Dom ? Dominic Charlton, le caporal. Ils discutaient tranquillement et soudain, ils ont commencé à se disputer. Con est parti, Dom m'a dit qu'il était ivre. Il avait arrêté de boire ? Nous savons qu'il s'est passé quelque chose qui a beaucoup perturbé Con pendant l'enterrement. C'était un autre homme à son retour. Est-ce que vous avez la moindre idée de la raison pour laquelle ils ont eu des maux pendant la cérémonie ? Ah. Je crois que c'était le même motif de dispute qu'entre mon mari et Dom, à cause d'un membre de leur unité qui s'est suicidé en Afghanistan. Le soldat Sam Gastrol, il avait volé des lunettes. Jack était sûr que Sam était innocent. Il n'était pas témoin, et Con non plus. S'il ne l'a pas vu voler cette paire de lunettes, pourquoi avoir dit le contraire ? Parce que Dom leur a demandé de le faire. Lui a affirmé l'avoir vu. Mais il y a quelque temps, Dom a posté des photos de vacances. Et sur l'une, il portait exactement la même paire de lunettes. Celle que Sam avait soi-disant volée. Ça a fait remonter plein de choses. Jack a toujours beaucoup culpabilisé d'avoir accusé Sam à l'époque. Sam était le plus jeune de l'unité. Il avait grandi en foyer, comme Con. Il les admirait tous tellement. Le pauvre Sam. Il était anéanti. Et tout le monde le croit coupable. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé, d'après vous ? Quand Jack a vu cette photo, il a découvert la vérité. En réalité, c'était Dom le voleur, pas Sam. Sam n'aurait jamais dépouillé un soldat mort au combat.
ce Dominique a volé cette paire de lunettes, a accusé Sam Gastrell de l'avoir fait et a réussi à convaincre Jack et Conn que c'était vrai. Une belle ordure. Conn. Je suis navré de l'apprendre. Est-ce que vous le voyez souvent? Oh, de temps en temps, mais on ne se parlait pas forcément. Quand j'ai appris le décès de Jack, je savais qu'il serait présent. Ça devait faire bizarre quand même, lui vivant dans la rue et vous travaillant ici. Oui. C'est la vie, vous me direz. Vous n'avez pas tenté de l'aider? On ne peut aider que ceux qui le veulent bien. C'est la règle numéro un. Oh oui, ça c'est bien vrai. Lindsay Swanson nous a dit que vous et Conn vous étiez disputés pendant l'enterrement. On peut savoir pourquoi? Il était juste bouleversé à cause de Jack. Il était triste pour Lindsay. Ah. Quelqu'un nous a parlé de Sam Gastrell, c'est ça? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Oui. Conn a très mal vécu toute cette affaire, comme nous tous, bien sûr. Il s'est ôté la vie. Après avoir été accusé de voler une paire de lunettes de soleil. Une terrible histoire. J'ai cru comprendre que c'est vous qui l'avez pris en flagrant délit. Pour tout vous dire, c'était Jack Swanson. C'est lui qui l'a vu, mais comme il n'était que soldat, il m'a demandé de faire le rapport. Est-ce que Conn était au courant? Oui. Oui, c'est... C'est pour ça qu'il était en colère. J'ai... laissé échapper l'idée que c'était sans doute Jack qui les avait volés. Alors Sam était innocent? Oui. En effet, cette nouvelle n'a pas dû faire plaisir à Conn. Il était horrifié d'avoir témoigné contre Sam. Tout comme vous. Est-ce que vous l'avez dit à Lindsay à l'enterrement? Jack est mort. C'était il y a longtemps. À quoi bon ternir sa carrière avec ça? Il n'était pas du tout soudé dans cette bande. C'était un vrai panier de crabes. Qu'est-ce que ça fait alors? J'ai pris leurs empreintes. Bien. Agent Billington. Madame? Au sujet de ce vol que Conn Burns voulait dénoncer, est-ce qu'il a mentionné un certain Dominique? Oui. Oui, c'est ça. Dominique. Je le savais. Fais-le venir. C'est très bien, mon grand. Dominique vous attend, madame. Bien. Alors, Marc, tu as pu trouver quelque chose? Oui, d'après la reconnaissance de plaque, Dominique a quitté Newcastle un peu après l'heure de la mort de Conn. Très bien. Et qu'est-ce que l'adjudant Sharp nous a dit sur lui? Au moment où a eu lieu le vol, il était sur la corde raide. S'il s'était fait prendre, il risquait la prison à Colchester. C'est sûr que pour lui, il vaudrait mieux que ça ne se sache pas. Ça mettrait en péril son super job. Mais c'est un bon motif pour faire taire Conn définitivement. Au fait, Kenny, du nouveau sur cette indemnisation? Elle a été versée sur un compte bancaire récemment ouvert au nom de Conn. On attend encore de savoir quelle adresse il a donnée pour l'ouvrir. D'accord. Mais un retrait a été effectué sur ce compte le soir où il est mort. Ah oui? Oui, quelqu'un a retiré 200 livres. Je veux que tu suives ça de près, Kenny. Et vérifie s'il y a une caméra sur ce distributeur. Oui, madame. Bien, on va le faire passer sur le grill. Votre voiture a été filmée. Nous savons que vous étiez à Newcastle le soir où Conn a été tué. Pourquoi j'aurais tué ce type? Eh bien, pour vous protéger. Pour l'empêcher de révéler que vous aviez menti à l'armée. Désolé, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous avez signé un document officiel attestant que vous aviez vu le soldat Sam Gastrell voler ses lunettes de soleil. C'est exact? Oui, mais je voulais expliquer. En fait, c'était Jack le voleur. Ah oui, eh bien, j'ai un scoop pour vous. C'est encore un mensonge. Vous nous dites qu'un simple soldat a réussi à persuader un caporal et un caporal suppléant de mentir pour lui? Désolé, mais j'ai du mal à le croire. Vous étiez leur supérieur, donc si vous leur aviez dit que c'était Sam, ils n'avaient aucune raison d'en douter. Mais vous avez été imprudent ces derniers temps, à vous vanter partout de vos vacances de rêve à Dubaï, et à poster vos photos sur tous vos réseaux sociaux. Sachez que certaines personnes ont remarqué que les lunettes que vous portiez sont les mêmes que celles qui appartenaient à ce soldat, parce que c'est vous qui les avez volées, n'est-ce pas? Pas Sam. Et moi, je crois que c'est ça qui a rendu Conn fou de rage pendant l'enterrement. Vous lui avez montré les photos de vos super vacances. Pas étonnant qu'il ait disjoncté. Je ne l'ai pas tué. Si j'avais voulu le faire, je lui aurais offert 2 bouteilles de whisky. Comment vous pouvez dormir la nuit? C'est parce que vous pensez être tiré d'affaire, c'est ça?
Sam est mort à cause de vous. Jack aussi est mort. Et maintenant, Connell Burns. Certains se maintiennent à flot, et d'autres sombres. J'ai un alibi pour samedi soir. J'ai travaillé comme garde du corps. Pour qui ? Pour notre député. Demandez-lui. Ok, merci. Il a un alibi en béton, madame. Ils étaient ensemble de 18h30 jusqu'à 2h du matin le dimanche. Ça va pas, on fait du surplace. Madame, j'ai vérifié deux fois. Steve était bien à sa levée de fond, mais c'était pas long. D'accord. Il aurait très bien pu s'absenter, tuer Con et revenir en quelques minutes. Madame, Mandy vient de m'envoyer les images de leur vidéosurveillance. C'est pas trop tôt. Voilà. Jack, tu peux zoomer un peu sur cette zone ? Oui. Regarde, c'est Gary, le chien de Benny. Benny était présent. Tiens, mon bonhomme, t'es un bon chien, toi. T'es un bon chien. Bonjour, mon chou. Je vais pas avoir de problème. Non, 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 vous inquiétez pas. Je veux juste vous montrer quelque chose. C'est une photo qu'on a tirée de la vidéosurveillance au centre civil. On peut y voir Con. D'accord. Et regardez, là, on peut voir le reflet de Gary sur la porte vitrée. Donc, vous deviez être là ce jour-là, à la même heure. Vous vous souvenez sur qui Con était en train de crier ? Sur moi, il était en train de crier sur moi. Il voulait qu'on l'écoute, mais moi, je croyais qu'il divaguait. Qu'est-ce qu'il disait ? Ben... il disait que des gens l'avaient volé, mais bon, qu'est-ce qu'on aurait pu lui voler ? Madame, on a reçu l'adresse rattachée au nouveau compte en manque de Con. C'est celle du centre civil. Gary ! Est-ce que le centre civil a un compte dans la même banque que Con ? Oui, et il semble que quelqu'un retire de l'argent de ce compte depuis des semaines. Je ne pense pas que ce soit Con. Il était toujours dans la rue. Alors, qui a bien pu retirer de l'argent de son compte la nuit où il est mort ? Madame, nous l'avons. On est en pleine réunion. Nous ne sommes pas ici pour vous, mon grand. Amanda Wilson, je vous arrête pour suspicion d'escroquerie sur la personne de Connell Burns. Vous avez le droit de garder le silence, mais votre défense... C'est inutile de le nier, ma belle. Vous avez retiré 200 livres de son compte en banque le jour même de sa mort. Vous l'aviez aidé à remplir la demande d'indemnisation pour son accident. Vous lui avez ouvert un nouveau compte en banque. Vous vouliez pouvoir contrôler son argent et vous vous êtes servi depuis le début. Cette soirée de levée de fonds ne se tenait pas très loin de l'endroit où il est mort. Et vous avez quitté la soirée tôt. Vous croyez que je l'ai tué ? Vous plaisantez. Nous savons qu'il était très affaibli, ça n'aurait pas demandé beaucoup de force. Il avait découvert que sa femme n'avait pas touché l'argent. Et il a compris qu'il s'était fait voler. Nous avons un témoin qui peut confirmer que c'est à cause de ça qu'il était en colère samedi dernier. Ils m'ont volé, c'est ça qu'il est en train de dire. Vous avez acheté quoi avec cet argent ? Tout ce que je voulais. Vous savez où est allé tout le fric de ma grand-mère ? À Steve, pour financer le centre. Le moindre penny. Pourquoi je l'aurais tué ? Il m'était plus utile de son vivant. C'est une voleuse, mais c'est pas une meurtrière. Quelqu'un dans l'entourage proche de Con est responsable de sa mort. Maintenant, je veux que vous écoutiez ma théorie jusqu'au bout. Connell Burns avait découvert que sa femme n'avait jamais touché son argent. Mais comment ? Comment il l'a découvert ? On sait que, mis à part la fois où il a perdu son travail parce qu'il était ivre, c'était quelqu'un qui voulait toujours faire les choses bien. C'était un homme honnête. On l'a tous vu sur la vidéo pour chasser ce voleur. À chaque fois, c'est une relation de cause à effet. Quand il a découvert que Tony avait volé les dons, il a refusé de vivre avec lui. Quand il a découvert que ce type avait frappé sa petite amie, lui faisant un cocard, il est allé en découdre avec lui. Et à cet enterrement... quand il a découvert que Dominique avait menti en accusant Sam d'avoir volé ses lunettes de soleil, il est venu ici pour tenter de le dénoncer à la police. Maintenant, on va se pencher sur sa famille. Nous avons écarté Kate et Bailey des suspects, et Liv a affirmé qu'elle était à son travail. Madame, j'ai revérifié l'alibi de Liv. Le club où elle était censée travailler était fermé à cause d'une fuite d'eau. Je sais pas si c'est important, mais l'un des établissements pour lesquels elle travaille est le club Sheila. Ah, alors là, je dois dire que c'est tout de même une drôle de coïncidence. Marc, je veux que tu te rendes à ce club. Interroge le videur qui nous a donné le prénom de Con.
Mais je veux que tu la joues fine. Trouvez-moi le maximum d'informations sur cette femme, Liv Masters. On la tient. J'ai eu le service des immatriculations. Liv était bien à Newcastle. Sa voiture était garée à l'angle du Shell Lounge à 23h30. Juste là, à environ 300 mètres de la scène du crime. Est-ce qu'elle a pu aller jusque-là, sans se faire remarquer? Oui, si elle savait où se trouvaient les caméras. Bien sûr qu'elle le sait, elle bosse dans la sécurité. On n'a rien sur elle, inconnu de nos fichiers, pas même une amende de stationnement. Madame, j'ai parlé à Finlay, le videur de la boîte. Il l'a pas vue ce soir-là. Elle lui a dit qu'elle serait au club à Sunderland. Il était pas au courant pour l'inondation. Mais il m'a dit que la veille au soir, elle était bien au Shell Lounge. Elle était là le vendredi soir. Alors c'est sûrement là que Conn lui a parlé et qu'il a découvert que sa femme n'avait pas touché l'indemnisation. On n'a rien sur les caméras? Non, la vidéosurveillance dans la boîte ne sert à rien. D'après Finlay, elle marche une fois sur deux. Fais une recherche sur ce Finlay, Mark. Vous voulez que je la fasse venir, madame? Non, non, je la sens un peu fourbe. Il faut qu'on soit malin. Madame, Finlay est déjà tombé pour trafic de drogue. Ah, j'en étais sûre. Bon, ce soir, on va faire des heures sup. Allez, viens, je t'emmène en boîte. Bonjour, Finlay. C'est à quel sujet? On ouvre dans une heure. C'est au sujet de la nuit où ce gars est mort. Conn, on voudrait vous poser quelques questions. Bien sûr. Allez-y. D'accord, très bien. Mais avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vider vos poches? Vous en avez oublié une? Celle à l'intérieur. Votre patronne sait que vous dealez? C'est pas ça qui m'intéresse, mon petit chou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre patronne, Liv Masters. Écoutez, j'ai déjà tout dit à votre agent. Elle n'était pas là ce soir-là. Elle était à Sunderland. Oh. Oui, pardon, je voulais dire la nuit précédente, quand elle était ici. Ok. Et alors? Est-ce qu'elle a quitté le club ce soir-là? Entre nous, on serait pas là à vous poser toutes ces questions si votre vidéosurveillance n'était pas hors service à cause de tout ça. Liv a rencontré une meuf. Elle est sortie faire un tour avec elle et voilà. Et donc vous saviez où elle était pendant tout ce temps? Non, ça me regarde pas, c'est sa vie privée. C'est bon, on a fini? Ah, mais vous plaisantez, j'espère. Embarque ça. Tout va bien? Ouais, super. Tiens, Liv. Merci, ma belle. C'est bien que tu montres un peu d'initiative, Finlay. J'ai passé une excellente nuit, me voilà fraîche et dispose. Alors, Olivia, je vais vous donner une chance de me raconter votre version des faits. Je n'ai rien fait. D'accord, alors on va procéder autrement. Est-ce que vous avouez le meurtre de Conn Aylburns? Non, absolument pas. Vous avez dit à mon agent que vous étiez en train de travailler dans une boîte de nuit à Sunderland, samedi soir. Sauf qu'elle était fermée à cause d'une inondation. Oui, j'ai épongé toute l'eau moi-même. Ce n'est pas ce que nous a dit le gérant. Non, il nous a dit que vous lui aviez demandé de mentir. Et est-ce que vous avez intercepté une lettre pour Kate, envoyée par la sœur de Conn? La nonne?
Bien sûr que non. Ah, elle l'a envoyé un peu avant Noël, mon chou. Kate nous a dit qu'elle et Bailey étaient partis quelques jours avant les fêtes et que vous étiez restés pour le travail. Écoutez, je l'ai fait pour Kate, d'accord? La sœur de Con l'avait déjà contactée et elle voulait qu'elle pardonne à son frère. Ça l'a perturbée pendant des semaines. Et vous pouvez me dire pourquoi elle était perturbée? Parce qu'elle se sentait coupable. Ou bien peut-être qu'elle l'aimait encore. Con n'était qu'un bon à rien. Il était faible. Il lui a laissé des dettes et il est parti quand c'est devenu trop dur. Est-ce que vous lui avez donné la lettre? Mais bien sûr que non, enfin, c'était des fadaises. Il lui disait qu'il allait lui donner des milliers de livres et être son chevalier blanc. Il voulait lui mettre des idées dans la tête. Vous avez été vu en train de parler à Con la veille de sa mort. Alors, est-ce que vous lui avez dit en face, vendredi soir, que vous pensiez que c'était des fadaises? Parce que ce n'était pas le cas. Il avait bien reçu cet argent. Un virement de 25 000 livres. Et c'est pendant cette conversation avec vous qu'il a appris que Kate n'avait jamais reçu cette somme. Et vous pensez que j'ai volé cet argent? Oh non, pas du tout, mon chou. Non, il savait que c'était quelqu'un d'autre qui avait abusé de sa confiance. Mais je veux savoir, vous lui avez dit ça quand exactement? Est-ce que c'était avant ou après qu'il vous a vu embrasser quelqu'un d'autre? Votre videur plein d'initiative nous a tout raconté. Il a tout balancé sans se faire prier. Et donc ça dure depuis combien de temps? C'était une aventure d'un soir. C'est la vérité, j'aime Kate et Bailey, elles sont tout pour moi, c'est ma famille. Et elles étaient la famille de Con avant d'être la vôtre. Merci, Jack. J'espère. Pour l'enregistrement, l'inspectrice chef Stanhope a dû aller répondre au téléphone. Merci, Jack. Oh, les merveilles de la science. Vous pouvez échapper à toutes les caméras, ma belle, mais vous ne pouvez pas échapper à l'ADN. Et votre ADN a été retrouvé partout sur l'écharpe qui a servi à étouffer Connell Burns. Vous avez dû vous dire que c'était Noël avant l'heure quand vous l'avez retrouvé inconscient derrière le club. J'ai cru qu'il était mort. Et je me suis sentie tellement soulagée que ce soit enfin fini tout ça et qu'il ait disparu de nos vies pour toujours. Cet homme ne comptait plus pour personne. Et Kate et Bailey allaient être tellement mieux sans lui. On aurait eu un nouveau départ. Puis il a ouvert les yeux. Et j'ai eu besoin de me sentir à nouveau soulagée. Alors vous l'avez tué? Ça a pris moins d'une minute. S'il vous plaît, parlez plus fort, qu'on vous entende sur l'enregistrement. J'ai dit que ça avait pris moins d'une minute. Je dois avouer que ça m'a surprise. Je pensais qu'il se défendrait un peu, au moins, vu que c'était un soldat. Mais j'imagine qu'il était content que ça se termine. Oh, vous pensez qu'il vous était reconnaissant de l'avoir tué, peut-être? Ce type n'avait plus aucune raison de vivre, il avait touché le fond. Au contraire, il avait toutes les raisons de vivre. Mais vous, vous étiez jalouse. Quand il n'était qu'un pauvre alcoolique à la dérive, il ne représentait aucune menace pour vous. Mais une fois sobre et ayant repris sa vie en main, oula, ce n'était plus du tout pareil. Pas étonnant que vous ayez déchiré cette lettre. Face à lui, vous n'auriez eu aucune chance. Interrogatoire terminé à 9h06. Comment ça va, Steve? Je suis vraiment désolé, j'étais pas au courant. Non, ce n'est pas votre faute. Ah, vous faites du très bon boulot ici. Et nous savons que ce que votre cousine a fait n'a rien à voir avec vous. Alors on s'est permis de faire une petite collecte pour le centre. Il y a presque 500 livres dans l'enveloppe. Ne baissez surtout pas les bras. Merci.
elle, Bailey? Oui. Et cette jeune femme-là, debout, c'est sa mère. Et si vous alliez dire à Bailey que vous connaissiez son père? Mm-hmm.